Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire un qui des trois. Car oui, c'était une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, sauf que j'ai jamais pris le temps de le faire. Mais il y a quelques jours, je vous ai mis un post sur Instagram afin que vous me donniez différents éléments auxquels j'allais devoir répondre en vous disant qui de mes trois poneys était le plus. J'en ai regroupé 15, il y en a c'est ceux qui sont revenus le plus souvent et d'autres que j'ai trouvé plutôt sympa à répondre. Au moins, ça vous fera connaître un peu plus mes loulous, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Le premier est qui des trois est le plus joueur? Sans hésiter, je dirais que c'est Bilbao qui est le plus joueur. Bon, la première chose qui fait que, c'est que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai Bilbao, j'ai une certaine complicité avec lui et j'étais beaucoup dans le jeu. Et Bilbao étant un Shetland, c'est un poney qui aime beaucoup jouer. Et ouais, c'est vraiment lui qui est le plus. Gossip, non, elle est joueuse, mais sans plus en fait. Elle est plus joueuse avec les loulous qu'avec moi. Et Golden, je la connais pas encore assez. Je dirais que c'est Bilbao qui est le plus joueur. Lequel des trois est le plus caractériel? Alors, le plus caractériel, les trois en tiennent une couche. Mais j'hésiterai entre Bilbao et Golden. C'est les deux qui ont pour moi le plus de caractère. Mais... je dirais quand même encore une fois Bilbao. Bilbao a un fort caractère et Golden, elle a un caractère, mais j'arrive encore pas mal à le maîtriser, alors que parfois Bilbao a un caractère, comme vous avez pu le voir lorsque j'ai recommencé le travail avec lui. Il a un certain tempérament qui fait que son caractère est assez dur à maîtriser, donc ouais, je dirais que c'est également Bilbao qui a le plus de caractère par rapport aux deux autres. Lequel des trois est le plus peureux? Bah là, sans hésiter, bon, après, c'est juste une question de temps, mais le plus peureux, la plus peureuse, c'est Golden. Golden est vraiment très 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 peureuse. C'est une pouliche qui a beaucoup de mal. C'est bizarre qu'elle ait aussi peur de l'humain. Encore aujourd'hui, j'ai voulu aller la voir. Elle a fui. Je ne comprends pas pourquoi elle me fuit. Je lui veux aucun mal. Généralement, je l'aborde avec de la nourriture, mais ça ne marche pas. Après, une fois que je l'attrape, bah ça va mieux en fait. C'est juste le fait, le contact, devoir venir vers elle, surtout avec un licol, bah ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, c'est la plus peureuse. Lequel des trois est le plus câlin? Alors là, j'hésite avec deux, entre Gossip et Bilbao. Limite, non, je dirais presque c'est les deux en fait, parce que Bilbao est câlin avec moi, mais j'ai découvert depuis pas longtemps que Gossip était également très collante avec moi et aimait bien être contre moi. Même tout à l'heure, je suis allée la voir, j'ai mis une petite story sur Instagram où elle était couchée, je me suis mis à côté d'elle, je lui faisais des papouilles et tout, elle adorait. Donc, je dirais ouais, les deux, mais en ce moment, c'est plus Gossip qui est câline. Lequel des trois est le plus gourmand? Et sans hésiter, c'est bien évidemment Bilbao qui est le plus gourmand. Hein, Bilbao, c'est un estomac sur pattes, voilà comment je le définis mon poney. Mais ouais, c'est vraiment lui qui est le plus gourmand. Après, les trois aiment beaucoup manger, mais c'est Bibi qui saute sur la nourriture dès qu'elle arrive. Lequel des trois fait le plus de bêtises? Alors le plus de bêtises... Oh, je dirais que c'est Gossip. Gossip m'accumule les conneries en ce moment parce que devant le box de Bilbao, en fait, j'ai mis des fils électriques qui ne sont pas électrifiés afin qu'ils ne viennent pas dans une certaine partie parce que ça devient très vite boueux. Et c'est Gossip qui est toujours la première à venir foutre le bazar, en fait. Elle vient tout le temps... m'arracher les fils et on a un chemin du coup devant le box de Bilbao que de base je bloque pour ne pas qu'il monte dessus vu que c'est du bois et lorsqu'il pleut et eh bien ça glisse et bah dès que j'ai le malheur d'enlever la plaque c'est la première à venir se mettre dessus. Sauf que Gossip n'a pas compris que même si je ne suis pas à côté du box mais dans l'autre box je l'entends avec ses petits sabots qui clic 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 sur le bois. Encore tout à l'heure elle m'a fait le coup, mais ouais, c'est Gossip qui fait le plus de bêtises je crois. Lequel des trois est le plus têtu? Eh bien le plus têtu c'est Bilbao. C'est mon bébé d'amour qui est le plus têtu. Parce que dès qu'on veut lui faire
quelque chose et que monsieur n'a pas envie, eh bien il n'y a plus rien à faire, monsieur pète son câble et on passe plus de temps à le calmer qu'à continuer le travail parce que voilà, monsieur est têtu, il veut pas apprendre, quand il a pas envie, il a pas envie, ou même quand on veut juste le promener, rester à côté de nous, non, 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 faut juste que j'aille devant ou soit je pète mon câble. Lequel des trois est le plus courageux? Eh bien, cette fois-ci, je n'aurai pas de choix. Pour moi, mes trois sont courageux à leur manière. Je ne peux pas vraiment évaluer qui est plus courageux que l'autre parce que comme un être humain, chacun évalue la difficulté à sa manière. Quelque chose qui peut paraître simple pour quelqu'un peut paraître compliqué pour une autre. Eh bien, pour moi, j'évalue la même chose pour les animaux. Un cheval trouvera ça plus compliqué qu'un autre. Donc, voilà. Pour moi, ils sont tous courageux parce qu'à chaque fois, ils donnent de la bonne volonté lorsque je veux leur faire découvrir quelque chose. Donc pour moi, voilà, ce sera les trois qui sont les plus courageux. Lequel des trois est le plus rapide? Alors rapide, je sais pas, les trois sont quand même pas mal rapides. Après, je pense que c'est quand même Bilbao qui a le plus de peps. Je sais que quand il galope tous les trois, Bilbao est souvent devant et Gossip suit et la petite Golden est la dernière. Bon, en même temps, avec ses petites papates, elle doit faire limite le double de Bilbao pour être à sa vitesse. Mais ouais, c'est Bilbao, je pense, qui est le plus rapide des trois. Lequel des trois est le plus dur à travailler? Du coup, bah ça, je le regroupe un peu avec le plus têtu. C'est Bilbao qui est vraiment le plus dur à travailler. Après, j'ai pas encore beaucoup travaillé Golden, mais même si Golden est peureuse, elle donne quand même de la bonne volonté. Que Bilbao, ouais, bah, Bilbao est quand même pas mal dur à travailler. Il faut vraiment aller en douceur. Le moins petit doigt que je lèverai légèrement trop vite pour lui, eh bien, c'est fini. Donc ouais, c'est vraiment... Bilbao est vraiment... Il est... Une fois qui travaille, c'est bien, mais dès qu'on fait un geste comme il faut pas, bah c'est terminé en fait. C'est vraiment le apprendre, il faut vraiment le prendre avec des pincettes et ça c'est vraiment très agaçant. C'est Bilbao, je pense, qui est le plus compliqué à travailler. Qui est le plus malin? Eh bien, je pense que le plus malin, ce serait ma petite Golden, parce que ma petite Golden étant toute petite, elle va aller très maligne pour se faufiler, justement pour ne pas que je l'attrape. Et elle est tout le temps, ouais, trouvée à les petits coins et tout. Même quand Bilbao et Gossip l'a chassée, eh bien, elle trouvait toujours un moyen d'arriver à là où elle voulait. Donc, ouais, je pense que Golden est la plus maligne des trois. Après, je pense que chacun a leur petite part comme ça, mais je dirais que c'est Golden qui est la plus maligne. Lequel des trois est le plus volontaire? Donc encore une fois, moi je mettrais le volontaire avec le plus courageux parce que lorsqu'on est courageux, c'est qu'on est volontaire, c'est qu'on veut aller quand même faire quelque chose même si on en a peur. Et voilà, du coup les trois pour moi sont très volontaires au travail, chacun à sa manière encore une fois, mais j'ai toujours pris plus ou moins de plaisir à travailler les trois vu qu'ils ont toujours envie en fait. Même si des fois ils sont pas trop dedans, ils essayent quand même de me donner quelque chose afin que je sois fière d'eux. Donc pour moi les trois sont volontaires. Lequel des trois est le plus curieux? Eh bien le plus curieux... Ah, les trois sont sacrément curieux. Bon, Bilbao est un peu moins curieux parce que maintenant il commence à avoir des certaines habitudes, donc il est plus dans l'ignorance. Mais les deux nénettes sont très curieuses, oui. Elles sont toujours là en train de regarder les deux têtes levées, là, à fixer quelque chose. Encore tout à l'heure, Golden était obsédée par un mouton qui était au fond. Et du coup, elle l'observait et elle ne bougeait plus, en fait. Pendant presque 2-3 minutes, elle était figée. Limite, on pouvait tourner autour d'elle. Elle était figée, elle bougeait plus. Et ouais, les deux comme ça. Je pense que Gossip et Golden sont les plus curieuses. L'avant-dernier, lequel des trois est le plus flemmard? Eh bien, un peu étonnamment, je dirais que c'est Gossip qui est la plus flemmarde. Gossip est une pouliche qui est très 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 lente. Toujours dans le mouvement ralenti. C'est j'ai pas envie, laisse-moi le temps et tout. C'est vraiment une ponette très molle. Et je pense que c'est elle qui est la plus flemmarde en fait. Elle est toujours en train de bronzer au soleil et tout, couchée, soit dans le box et tout. Je pense que c'est elle qui est la plus flemmarde des trois. Et pour terminer, lequel des trois a le plus d'équipement? Eh bien, je pense que pour le moment, c'est Bilbao qui a le plus d'équipement. En même temps, ça fait plus longtemps que je l'ai, donc j'ai pu déjà acheter pas mal d'équipements pour lui, car les équipements de Bilbao ne vont ni à Gossip ni à Golden. Et voilà, pour l'instant, c'est lui qui en a le plus.
pour le moment, je dis bien, car voilà, je vais commencer à acheter un peu plus d'équipements à Gossip et à envisager des équipements pour Golden, sauf que pour Golden, ce sera pas des équipements qui seront faciles à trouver, vu qu'elle est toute minuscule, limite ça va être du sur-mesure. Mais pour l'instant, ouais, c'est Bilbao qui a le plus d'équipements. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut !